Bonsoir. Je vois que beaucoup d'entre vous, vous pensez que on vous a donné une mauvaise image de la spiritualité, dans le sens où je vois quelqu'un t'a dit les gens souvent quand vous m'approchez, vous avez ce voilà, c'est parce que vous voulez. Ok. Je fais les mauvais rêves. J'ai l'adversité dans mon boulot. J'ai les problèmes dans mon foyer. Et vous vous attendez à ce que, dès qu'on fait un travail sur vous, que tout se stabilise. Je viens aujourd'hui vous montrer l'autre face de la spiritualité. Parfois, Dieu va cacher ton avancement avec des problèmes. Bonsoir, bonsoir. Donc, Dieu va déguiser ta croissance spirituelle avec des problèmes. Tu vas rester au sage, tu vas te dire, mais pourquoi? Pourquoi au boulot ça ne va pas? Pourquoi il me sent si fatigué? Il y a une qui m'a contacté, je crois qu'en l'espace d'un mois, elle a fait le book, elle a fait, elle a sacrifié un book, elle a. Pour ses deux fils. Elle fait beaucoup de travail spirituel pour eux. Et là, elle va encore faire un autre sacrifice. Et depuis peut-être une semaine, elle me dit que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Ma tête va exploser. Elle se marie. L'autre dimension dans laquelle tu es maintenant, je suis non. Même les mauvais rêves là, tu as fait. Tu comprends?
Ça ne va pas empêcher qu'à travers tes mauvais rêves, que l'agenda de Dieu pour toi, que ce soit en train de se concrétiser. Bah, le problème que vous avez, c'est que on vous a mis une image trop rose. Ce n'est pas parce que tu as bien dormi que tu es en train d'avancer spirituellement. Ce n'est pas parce que tu t'es réveillé, tout va bien, que Dieu est en train de faire quelque chose. Ce n'est pas non plus parce que tout va mal que Dieu n'est en train de rien faire. La maturité spirituelle, c'est quand tu arrives au niveau où, peu importe ce qui se passe, tu te lèves, tu demandes à tes ancêtres, est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose? Parfois, tu demandes, tu n'as pas la réponse. Tu demandes, on ne te répond pas. Tu restes comme ça, tu dis ok. Vous pensez que vous maîtrisez, non? Voici l'autre degré de je maîtrise. Est-ce qu'on vous avait habitué avant? Quand tu étais encore bébé spirituel, quand un petit truc se passait, tu appelais. Pasteur, ça ne va pas. Il te fait les prières. Chakarababo, santaradababo, chante. Après, tu te calmes. Ça, c'était les gens qui avaient besoin de pacifier. Tu avais besoin de pacifier. C'est-à-dire que tu as besoin d'un calmant temporaire. L'étape là est maintenant finie. Tu as grandi. Et quand on grandit, ça, on ne te demande pas. Tu vois, quand tu étais petit, tu voulais grandir. Tu sautes, tu veux, je veux grandir, je veux grandir. Ça ne te dérange pas. Le monde est grandi, va venir, tu as grandi. Que tu demandes ou pas, tu vas grandir. Même si ça va aider quelqu'un qui se calme. Pas que tu te calmes, parce que quand tu as traversé ça, des turbulences, parfois c'est comme si tout. C'est comme si. Il y a quelqu'un que ta tension avait augmenté. Et là, tu peux. C'est comme si quand tu as de. C'est comme si quand tu es en train de traverser ça, tu peux te voir. C'est comme si tu peux sortir de ton corps, tu te vois. Tu dis, mais pourquoi? Pourquoi je ne suis pas calme? Qu'est-ce qui m'arrive? Et tu es en train de stresser, tu es en train de stresser, je sais pas. Ton corps est en train de stresser. En même temps, tu es en train de regarder ton corps, tu dis, mais pourquoi je suis comme ça? Tu pars, tu fais tous les trucs que tu faisais avant. Tu prends ton bain, tu fais la décoration, tu manges un don, tu te laves au sel, tu fais ceci, tu fais ça. Dès que tu finis, une heure plus tard, ça revient. Et c'est que vous allez vous m'écouter avec le sommeil dans les yeux, vous faites comme si vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Quand on couronne quelqu'un, ça veut dire qu'on a dû te mettre au-dessus d'un royaume. Ça veut dire que les gens qui ne voulaient pas que tu aies ton royaume. Un royaume, ça veut dire que tu es en train de dominer. Ça veut dire que tu prends finalement autorité. Je vois ça en anglais. You're taking authority in a kingdom. C'est le roi des rois. Ça veut dire que il y a un royaume. There is a kingdom or a queendom that you are supposed to reign over. Et je suis pas en train d'exagérer. Je suis pas en train de blasphémer. Maintenant, si on compte te prendre, on te met au-dessus d'un royaume. Sachez que dans chaque royaume, il y a des opposants. Et les opposants, là, ont fait que depuis même, on ne te met pas roi ou reine. Maintenant qu'en dépit de leur opinion, en dépit de leur manigance, en dépit de tout ce qu'ils ont fait, je vous ai dit la semaine, depuis 2 semaines, il y a les couronnements qui sont en train de se passer. Ceux qui ont compris ont acheté leur couronne. Ceux qui n'ont pas compris, vous avez fait les durs. Comme vous pensez que ni, restez toujours là, n'achetez pas. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Je vais aller au Ghana. Je crois qu'en l'espace de 2 jours, j'ai eu peut-être 2 ou 3 personnes qui m'ont contacté. Puis il y a un peu au Ghana qui m'a dit qu'il faut qu'elle vienne pour qu'on me. Vous êtes trop bête. Vous êtes bête.
Je vais faire l'application qui gifle les gens à travers le téléphone. Que tu écoutes comme ça, après tu sens que quand t'as les jours, te fait mal. Ce sera l'application que j'ai créée pour gifler à travers le téléphone. Faut que je travaille dessus avec mes ingénieurs. Ouais. C'est trop exagéré. On m'a dit que je dois partir au Ghana. Je dois partir au Bénin. Et le pire, c'est que la personne me dit que je sens qu'elle ne doit pas partir. Ouais, Seigneur. Où on vous a seulement attaché? Où on vous a fait quoi? Dans le spirituel, quand tu as, on te donne un ordre, quand on te donne une recommandation, ce n'est pas ça, ça, c'est pas un truc que tu vas attendre un an pour faire. C'est moi, je vous connais. Tu te réveilles. Je sens qu'il doit travailler sur moi. Je me suis vu en train de me laver. 3 mois plus tard, tu te laves alors. Non, j'ai vu comment il partait faire le saraka. Je donnais à manger à telle personne. Je faisais, tu as fait. Non, Ouais, Seigneur. Continue. Je peux penser que c'est pour n'importe qui. Vous m'avez dit que je bloque les amateurs là. Quand vous venez vous m'embêter, je vous bloque. Vous ne voulez pas me donner un bulletin. Venez un peu sur mon Facebook, faire un bisap. Je vous bloque. Même votre énergie, n'avez même plus lire vos commentaires. Souvent, quelqu'un tombe sur ma page. Et en ce moment, il n'y a que ceux qui sont en train de traverser ça qui peuvent vous comprendre. Et je vous dis que mon message, je ne le dirige plus n'importe qui. Si tu m'écoutes, tu ne comprends pas ce qu'il dit, laisse tomber. Quitte ma page. Quitte. Vous attendez tout le monde, abonne-toi. Partage. Like ma vidéo. Ne like pas, tu as compris? Atteignez un degré de maturité où vous comprenez ce qui se passe. Comprenez. Comprenez. Vous pensez que c'est facile pour moi de venir faire des vidéos tous les jours? Vous êtes dans un champ de bataille. Je peux rester aussi faire 2 semaines, faire pas les vidéos. Je peux rester faire 2 semaines, je me cherche, je ne me trouve pas. Tu écris, je ne réponds pas. Tu vas faire quoi? On met les messages, ils vous donnent les instructions, vous ne faites pas. Parce que vous pensez toujours que ceci, c'est un jeu. Vous pensez que la vie des gens est en train d'être transformée. La vie des gens est en train d'être transformée positivement ou négativement. On n'est pas. Les temps sont en train de changer. La Bible dit que days are evil. Chaque jour que tu te lèves, tu passes sur TikTok ou sur YouTube. C'est une nouvelle que tu en prends. Une mauvaise nouvelle. Un mauvais truc qui s'est passé. Tout ça, c'est pour t'affaiblir mentalement. Et te distraire. Vous savez combien de distractions vous devez traverser pour venir tomber sur la vidéo aussi? Souvent, je dis que oui, je vais regarder, je vais. Souvent, quelqu'un me contacte. La période où ma dent était visible sur mes vidéos. Je vais peut-être 3 ou 4 semaines comme ça. Une dame, une Decepticon. Maintenant, heureusement qu'elle ne me contacte même plus. Elle m'écrivait tout le temps. Elle voit mes statuts. Elle fait la désespérée. Elle demande la consultation. Je lui dis que je ne te consulte pas. Elle me contacte un jour, me dit que c'est faux. Je suis stressée. Mon enfant me dérange. Mon ceci. Essaye de prendre un rendez-vous, ça ne passe pas. Je vous dis que va regarder la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Ce matin, j'ai parlé dans la vidéo de ce que tu subis actuellement. Va regarder ma vidéo. Elle part regarder, elle vient dire, oh, tu as eu quoi là-dedans? Et vous, voilà. Ça fait un mois que ma dent est comme ça sur les vidéos.
Tu vas me stresser en inbox sur WhatsApp. Parce que vous pensez que quand on met des vidéos, on est bête. Elle a envoyé sa photo. J'ai envoyé la photo là pour imprimer ça deux ou trois fois. Ça, c'est parti comme ça là. Quand finalement, j'ai même imprimé. J'ai vu la photo, ça dit que non, je travaille un peu sur la femme aussi. Et thank God, elle a disparu. Elle a disparu de la situation elle-même. Vous devez apprendre à vous guérir vous-même. Tu vois que je suis blessé ici, tu pars dans la moi, tu prends le sparadrap, tu mets. Tu prends la compresse, tu mets. Tu prends le truc. Tout ce qu'il faut. Tu fais ton pansement toi-même. Bonjour. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vous dis qu'on est en plein couronnement. Couronnement vient avec beaucoup d'arrivées. Allez voir dans la Bible. Chaque fois qu'on devait mettre quelqu'un sur un trône, le degré de travail spirituel qu'on devait faire sur la personne. On dit qu'on sacrifie 1000 animaux parce qu'on veut mettre quelqu'un sur la chaise. Tu là, tu viens, tu fais ton petit coq là, tu commences à bavarder les autres gens. M'embêtez pas, hein. Vous me donnez pas mon tête. C'est même de justesse, on t'a pas forcé pour que tu fasses ça. C'est vous que vous aimez les formules magiques rapides. J'ai acheté le sel. J'ai acheté un sel, ça, pourquoi ça ne change pas? Et donc tu penses que le sel que tu as acheté là, c'est ça que... J'ai dit bonjour, je ne dirais pas bonjour individuellement à quelqu'un. Donc si quelqu'un se sent offensé, il peut partir. Ouais. J'ai dit bonjour. Si vous m'écoutez bien, depuis là, il dit bonjour de temps en temps. Si vous avez suivi mon bonjour, c'est bien. Vous n'avez pas suivi, vous laissez. Je suis dans mon mode que je ne veux même pas qu'on m'embête. Avant, quand tu stressais, tu ne comprenais pas ce qui se passait. Tu ne savais pas dans quoi tu étais. Maintenant, quand le stress là vient, tu comprends. Ça vient à cause d'eux. Et c'est ça le but. La même journée, c'est-à-dire hier, j'ai deux personnes qui m'ont témoigné. Une fait son témoignage. Elle dit, elle a été couronnée dans la nuit. Deux ou trois heures plus tard, l'autre vient encore et me fait aussi le même témoignage. Et les deux ont acheté leur couronne. Une est venue chercher puisque le Cameroun, l'autre n'a pas encore pris sa couronne. Mais elle a déjà acheté. Imaginons peut-être qu'elle ressentait ça. Ok, je sens que je dois acheter la couronne. Et elle attend peut-être au mois de juin. Je sais que vous êtes tellement... Vous êtes trop focalisé sur l'extérieur. Les ancêtres ne fonctionnent pas comme vous pensez. Et dans le spirituel, les choses sont symboliques. C'est symbolique. On peut te dire que symboliquement, prends ça là, tu verses, tu peux donner à tes personnes. Il y a même une autre que l'autre jour, elle a rêvé que on lui a dit de prendre les choses de la dot. Donc tu vois, les pagnes, le vin, d'aller donner à un de ses guides spirituels. Qu'elle sera. Donc, dans le rêve, on lui dit que va lui donner ça, tu dis que tu vas te racheter. Tu fais le rachat de ta vie. Elle a acheté, elle est partie la donner. Ça m'a pas fait deux jours. Elle me dit que je suis partie, j'ai donné. Et donc, quelqu'un m'a dit que, ah,
Tu rachètes, tu sais comment tu fais. Parce qu'on vous donne les instructions. Faites comme des idiots, ça m'énerve. Parfois, vous voulez qu'il vous parle comment? Et ce n'est pas tout le temps que tu vas comprendre exactement ce qu'on te dit. Mais le fait que tu te lèves et que tu fasses ce que tu crois avoir entendu. Vous êtes en voiture d'auto-délivrance. Dans 6 mois, tu vas regarder ta vie comme ça là. Et c'est que vous aimez les bonnes prophéties. Que oui, la fin de la pauvreté est finie, tu dis Amen. Oui, ça là, c'est fini, tu dis Amen. Oui, tu dis Amen. Mais là, tu vas comprendre que il y a le processus dedans. Il y a une maman qui, j'ai lavé sa fille a peut-être 13 ou 15 ans. J'ai dit, cache le bâton de commandement à ta fille. Elle m'écrit, elle me dit, oh, c'est chaud, je vais faire comment? Le bâton de commandement, il faut encore faire le sacrifice pour ma fille. J'ai pas l'argent. J'ai dit, mamie, j'étais moi seulement dire, tu fais pas. Tant que vous voulez qu'on vous force là, vous laissez. 1 heure plus tard, elle me dit, j'ai trouvé l'argent. Elle envoie. On envoie les produits de son enfant. Elle me dit, sa fille, que depuis qu'elle a pris le bâton, elle dit que toutes tes omoplates, tes bras, ça chauffe tellement. Ça, c'est sûr que les ailes de sa fille ne vont pas pousser physiquement. Les ailes ne vont pas pousser sur son enfant. Mais spirituellement, il y a une métamorphose qui est en train de se passer. Il vous le dit toujours, si vous êtes encore à l'étape où on doit vous convaincre, bêta, tu prends ton argent, tu peux acheter la chaussure chez Zara, tu portes. Va faire ton shopping chez Selfridges. Va chez Louis Vuitton, tu achètes un petit sac, tu mets dans ton armoire. Parce que la fesse, là, ce n'est pas pour les gens qui sont faibles d'esprit. Et dans le spirituel, j'ai les gens sur lesquels j'avais misé. Quand on me dit miser, là, c'est même quoi? C'est pour ça que je fais trop attention quand quelqu'un vient d'arriver. Oh, je veux tout faire, il y a quoi faire? Je veux tout faire, montre-moi. Je dis, mais je vais faire d'abord le petit si tu attends. Fais d'abord ça, tu attends. Si dans 1 mois ou dans 2 mois, tu es encore là, là, on va encore reparler. Souvent, quelqu'un vient, elle te sort l'argent. Je veux tout faire une fois, tout. Elle fait tout comme ça, là, tout. J'ai dit que ma chérie, ton tout que tu veux là, ça va pas. Le spirituel a ses grades. Le spirituel a ses étapes. Même si tu prends 25 millions, tu fais tout ce qu'il y a à faire là. Ce ne sera que ce qui doit être dévoilé cette saison que tu vas voir. Tout le reste, ça sera caché. Parce que toi-même, tu dois grandir. Parfois, il y a des circonstances qui doivent se rassembler. Parfois, il y a des choses que tu comprends quand tu es dans certains problèmes. Et tant que tu n'es pas dans le problème, tu ne peux pas comprendre. Parfois, c'est vous êtes dans des relations qu'on vous a dit de quitter difficile. On a dit de quitter difficile. Donc, voilà, fatigué. On t'a dit quitte. Finalement, tu es là, non? Tu commences ton travail. Tu avances sur ton travail, mettons à 20%. Mais la présence de l'autre personne bloque le reste de ton travail. Il faut qu'ils attendent peut-être 2 ou 3 ans. Quand une circonstance majeure va se passer, vous allez vous séparer. Dès que vous allez vous séparer comme ça, c'est comme si tu avais. C'est comme si tu avais, là où tu avais garé la voiture, tu prends encore la voiture, tu reprends, tu conduis le trajet. Les choses reprennent encore. Tu sens comment spirituellement, tu accélères encore. Dans le spirituel, il y a tous les espaces. Il y a des portes, il y a des portails, il y a des espaces temporels. Et quand il y a quelque chose qui est libéré dans un espace, si tu ne saisis pas, tu vas encore attendre. On dit qu'il y a ça qui est ouvert, tu ne fais pas, tu vas encore attendre. Et les mamans, vous avez beaucoup à faire sur vos enfants. Vous avez beaucoup. Je suis allée dans un endroit aujourd'hui, j'ai vu une dame avec sa fille. Sa fille est métisse. Je m'assois, je suis en train de, comment dire, mind my business.
I'm just like, you know, il dit, ne me parlez pas, ne me dites rien, pardon, laissez-moi tranquille. Dès que je mets mes yeux sur l'enfant là, comme ça, là, elle devait avoir peut-être 7 ans. Oh my God. Ces anges commencent à me parler d'elle. Ses guides. On me dit qui elle est. D'où elle vient. De quelle époque elle était. Oh, les pouvoirs qu'elle a. Ses dons physiques. J'ai dit que, wow. J'ignore. Je suis en train de faire mon pas de trucs. Je tourne. Et en fait, on devait faire au moins 1 heure de temps ensemble. Après, la dame finit ce qu'elle faisait. Elle s'assoit. Sa petite fille va aux toilettes. Et quand la petite fille va aux toilettes, moi, j'avais fini ce que je faisais. Je viens de m'asseoir devant à côté de la dame. Je lui dis, OK. Est-ce qu'elle peut vous parler de votre enfant? Je commence à lui dire. C'est le genre d'enfant qui est le genre de toi que. On a vu ça dans la famille de la femme depuis longtemps. Et moi, je ne sais pas. Et. Elle me dit, qu'elle est sortie de l'hôpital hier, que les attaques que l'enfant fait le dernier jour, c'est assez grave. Je lui ai donc dit que parfois, quand vos enfants viennent comme ça, ils sont vulnérables, sans quoi un enfant. Certains, ils ont des pouvoirs, mais supposons s'il faut aller quelque part pour faire quelque chose. L'enfant, encore bébé, il ne peut pas les faire. Dans c'est toi la mère. C'est toi la mère. Toi, la mère qui doit ressentir et faire. Et il n'y en a pas mieux, vous devez, même seulement vos paroles de prière. Dans le cas particulier de cette dame, elle avait des dons aussi, mais ce genre de maman qui n'a pas ouvert ses dons. C'est-à-dire une mère dont la mère était maman Ticone, et la mère n'a rien fait. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et comme la mère n'a rien fait, cette maman de métisse aujourd'hui, elle était un peu dormante. Elle est dormante. Et c'est sûrement, j'ai l'impression que, bon, à voir comment elle était, elle a de l'argent. Elle essaie sûrement de combattre ça dans le physique seulement. Parfois, il y a des enfants que quand vous les aidez, ils sont couronnés rapidement. Imagine, on te couronne à 45 ans. Et tu aides ton enfant à être couronné à 10 ou 15 ans. Tu vois la différence. Certains de vos enfants sont censés être célèbres d'ici 15 ans. L'âge de 15 ou 20 ans. Tu vois ton enfant. Une femme m'a contacté une fois, elle me dit, son fils, il est dans un film qui passe en avant-première aux États-Unis. Elle est camerounaise. Son fils va avoir peut-être 20 ou 21 ans. Il y en a, certains de vos enfants comme ça, leurs étoiles ne sont pas aussi bloquées que les vôtres étaient. Et vous devez leur donner un coup de main. Il y en a un autre qui m'a contacté justement, il m'a dit, son fils, il est footballeur, je pense. Puis, pareil. Il a cette grâce d'être sélectionné. Maintenant, quand ça se passe. Après qu'il rencontre un mur spirituel. Tu dois l'aider, la mère. Tu dois l'aider. C'est pour ça aussi que être spirituel, grandir dans une maison où ta maman est spirituelle, c'est aussi très important. Parce qu'il y a des pratiques que l'enfant voit quand il grandit. Et quand il grandit, il commence à avoir des combats aussi lui-même. Automatiquement, il peut se rappeler que quand il y avait telle chose, ma mère faisait comme ça.
Et il fait. Donc, il y en a aussi parmi vous, vous devez protéger votre chakra du cœur. Il y a les colliers là, les colliers avec des cristaux. Vous devez en mettre. Les colliers avec le mauvais œil, colliers avec des cristaux. Vous devez beaucoup mettre ça parce que c'est la raison pour laquelle vous sentez beaucoup votre tension. Tension, certains, votre tension monte carrément. Genre, tu as pris ta tension récemment, c'est monté. Certains, tu peux voir les palpitations. Oui. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Ne laissez pas vos enfants combattre seuls. C'est tellement bête parfois, si vous les mettez. Est-ce que tu sais, tu connais comment un enfant est vulnérable? Tu t'es mis un jour comme ça, là, tu es parti faire l'amour avec son père, tu as décidé, bon, on va t'accoucher. Il naît aussi comme ça, là. Tu ne fais rien. Ton devoir, c'est d'aider cet enfant-là. Aide-le à accomplir ses objectifs, ses rêves, sa destinée. Financièrement, physiquement, spirituellement. Tu l'éduques bien. Certains d'entre vous avez bien éduqué vos enfants, mais dans les prières, vous bagarrez seulement pour vous seul. Vous ne savez pas que les enfants ont aussi un combat. Parfois, ta soeur a bloqué ton enfant. Vous pensez que les histoires qu'on raconte souvent, c'est seulement les histoires des autres. Ton enfant, il bagarre seul, il bagarre. Il bagarre. Donc vous aurez aussi les signes comme les cheveux qui démangent. La tension qui est montée. Les oreilles qui sifflent. Voilà les signes que vous avez récemment. Vous êtes en train de passer à une autre dimension. Et ceux qui ont déjà acheté la couronne, ils ont mis sur leur tête eux-mêmes là. Donc vous avez aussi une autre dimension d'activation. Il y a des choses qui vous étaient bloquées depuis longtemps. Ça va commencer à souffrir. Et ne prêtez pas attention à la distraction corporelle. Et vous avez des malaises, vous avez des. Ce sont des distractions. Y a un qui me disait ce matin qu'elle ne s'est pas passée, va partir au boulot. Je lui dis, va au boulot, va, tu vas voir. Vous partir. Ok, moi j'ai terminé, moi je vais partir. What's going on? Et puis aussi, vous, voilà, l'un des un autre niveau. Vous allez avoir l'impression que vos choses stagnent. Donc, tu as l'impression que tes choses avancent, pas non?
Supposons que tu as une plateforme. Depuis un mois, tu as le même nombre d'abonnés. Ok, tu as les produits que tu vends. Depuis un mois, on n'achète pas. Tu as une sorte de plateau, en fait. Et tu fais tout ce que tu faisais avant, ça marchait. Maintenant, tu fais ça, ça n'avance pas. C'est aussi des signes de croissance spirituelle. Ça va s'ouvrir avec beaucoup d'opportunités. Genre un nouveau business, opportunité de business, opportunité d'augmentation de sources de revenus. Voilà. C'est comme ça que mon bon me dit ça. Donc tu auras un portail, une opportunité pour que tes revenus augmentent. Donc voyez ces problèmes-là comme une opportunité d'augmentation spirituelle, énergétique et d'augmentation de sources de revenus. Voilà. Bon, bye bye. Message est terminé. Ceux qui ont commandé ceux qui ont pris les consultations, si vous n'êtes pas encore consulté, pardon, prenez d'abord un lavage. Faites d'abord un lavage, c'est mieux. Si vous venez de tomber sur ma vidéo, vous venez de tomber sur ma vidéo, commencez à vous laver au sel. Allez sur la page, regardez d'autres vidéos déjà. Je te lave le sel matin et soir. Ne force pas, ne cherche pas à me parler forcément. Tu achètes un kit, commencez par le kit fondation. À propos du kit déblocage. Je ne vais pas vous dire le nombre. Il y a quelqu'un qui me. Ouais. Je vois une jeune dame aujourd'hui. C'est vrai qu'elle fait ça sur ma tête là. Je m'assois, elle commence à faire ces choses-là. Elle me dit. Je vois souvent tes vidéos sur TikTok et tout ça là. Oui, je vais faire le sel, je vais faire le bain de sel. Je lui dis, ma chérie, ne fais pas, tu as compris. Ne fais pas, hein. Ne fais pas. Quand il dit ça, sa copine a commencé à rire. Je lui dis, mais sérieux, tu veux souffrir. Ne fais pas. Laisse. Si tu penses que tu fais ça, ça m'a donné quelque chose. Donc, il y en a parmi vous. Vous êtes dans une paresse. Continue à ta paresse, tu as compris. Tu as compris. Si on doit te forcer, il faut laisser. Si tu fais ça pour qu'il faut laisser. Le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer, tu as compris. Hein? On t'enterre. Et le soir, les gens sont juste en train de manger, faire l'amour, faire les enfants. Tu as compris, non? Voilà. Tout travail que tu fais, c'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi. Même si tu es marié à quelqu'un, il n'y a pas le club santé sur ça. Tu crois que si tu meurs, le soir de ton meurtre ou de ta mort, hein, je vais te faire mon direct. Même moi, si je meurs, c'est que demain vous allez trouver une autre personne, vous allez suivre la personne. Donc moi, j'ai compris que c'est une place. One. Donc déterminez-vous. Je vais atteindre le meilleur. Je vais accomplir ce que je suis censé accomplir. Je vais, c'est ça. Tu mets des intentions. Tu mets des intentions. Il y a le kit fondation, il y a le kit déblocage, il y a le kit visa. Ne prenez pas seulement un seul. Tu prends un seul de 2000, tu te trompes. Vous êtes dans la mentalité de pauvreté. Je n'ai pas l'argent. Il dit, au lieu de venir acheter mon sel, va acheter le sel de 150 au marché. Lave-toi avec ta peau. Je ne suis pas pressé pour avoir ton argent. Tu dois d'abord comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. J'ai au moins 350 vidéos en ligne. Si ce n'est plus, ça augmente tous les jours. Donc, quand un mois passe, je suis sûr que chaque mois qui passe, j'ai au moins ce 30 vidéos qui est mis en ligne chaque mois. Donc je pense que je vais me donner à 400 vidéos. Allez regarder les vidéos. Arrêtez de m'embêter.
Les gens qui ont tombé sur ma vidéo la première fois voulaient me voir là. Vous voulez m'appeler, jusqu'à l'autre fille m'appelle ma vidéo aujourd'hui. C'est mon frère, tu m'appelles en vidéo. On traite ensemble. Et 747 vidéos en ligne. 747. Allez regarder les vidéos là, pardon. Vous pensez que je passe mon temps à bavarder, bavarder comme si je ne suis pas folle. Mais si vous pensez que je suis folle, je m'en fous. Même si vous pensez que je suis folle. I don't care. Ok. Partagez la vidéo. Ou bien ne partagez pas, c'est aussi pareil. Bonne nuit, bonne journée.